Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de domaine-maison.com. Aujourd'hui, je vais te parler des effets du sel dans l'habitation. Je m'appelle Véronique Robaglia, je suis décoratrice et consultante en Feng Shui occidental. Je suis également la cofondatrice du blog domaine-maison.com, qui est le blog de l'agence de décoration L'Étoffe du Lieu. Alors, parlons des effets du sel de mer dans l'habitation. Le sel de mer est un ingrédient magique utilisé depuis des millénaires par les anciennes civilisations. Il était considéré comme sacré et bienfaiteur, et cela parce que tout d'abord il permettait de conserver les aliments, et ça c'était important. Les Égyptiens l'utilisaient pour embaumer leurs morts, et la chrétienté l'utilisait comme un élément sacré et purificateur. Aujourd'hui, le sel de mer, tu peux l'utiliser dans ton habitation pour remettre à neuf les vieilles énergies. Et pourquoi? Eh bien, si par exemple tu décides de faire l'acquisition d'un bâtiment qui initialement n'était pas prévu à l'habitation, eh bien, faire l'étape de nettoyer au sel de mer peut être un plus qui va permettre de vivre au mieux le nouvel endroit que tu souhaites utiliser. Par exemple, dans un ancien garage, un ancien entrepôt, de vieilles écuries, où l'humain n'était pas prévu initialement. Faire le processus de nettoyage au sel de mer va te permettre de remettre à neuf les vieilles énergies qui ont été déposées. C'est également utile si tu rachètes une maison et ou si tu sais que les anciens occupants ont eu des problèmes de santé dans le temps, par exemple, ou s'il y avait des tensions. Eh bien, ce processus va permettre de libérer et de nettoyer ces vieilles énergies déposées. Le sel de mer a un effet bienfaiteur sur l'organisme. Il est un conducteur d'ions négatifs, au même titre qu'une belle plage au soleil ou qu'une cascade rafraîchissante dans la montagne. On s'y sent bien, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux appliquer la même chose chez toi. Alors profitons-en. Comment faire? Eh bien, je te propose donc de disposer dans des coupelles, comme ceci, du sel de mer gris que tu peux trouver dans le commerce très facilement. Dans la pièce, les pièces ou le lieu qui te paraît le plus sombre et le plus lourd, tu peux disposer donc cette coupelle ou ces coupelles aux quatre coins de la zone à purifier. Le sel va absorber les énergies qui sont déposées. Et c'est super, tu n'as rien à faire. Par contre, fais-le pas plus de 10 jours. Cela suffit. Ensuite, tu pourras le jeter dans les toilettes. Et les toilettes, pourquoi? Parce qu'en fait, cela va être directement mis dans les canalisations et ne va pas polluer la nature. Si au bout d'un moment, ton ressenti, tu penses qu'il est besoin de renouveler l'opération, fais-le par tranche de 10 jours. Ce processus est aussi efficace si tu as du mal à dormir. Tu peux disposer une coupelle sous ton lit ou dans un endroit qui te paraît bien lourd à vivre. Voilà, j'espère que ce processus va t'aider à remettre à niveau l'endroit où tu souhaites vivre. Je l'utilise régulièrement et il me permet de purifier et d'alléger des pièces où, par exemple, il y a eu un vécu qui a été un peu lourd. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas, en cliquant sur la petite cloche ci-dessous. À bientôt !